those eyes. You don't have to wake up. But open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew, you getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. Maybe Hope. Shit. They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. Eh ben salut tout le monde, c'est SGamer54 et on se retrouve enfin pour ce premier épisode de ce DLC d'Outlast. J'espère que vous allez bien. Moi je suis hâte de faire avec vous. Voilà, le commencement, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. Alors allez au course principal. Et oui les amis, je pense que c'était avant l'histoire principale d'Outlast. Parce que là si vous vous rappelez bien, c'est l'endroit de la fin quand on va affronter l'esprit, bah, plutôt pour aller dépancher. Regardez, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, vous savez très bien c'est où. Et pour ceux qui n'ont encore pas regardé, bon après vous pouvez regarder cet épisode, mais après vous comprenez pas pourquoi qu'on connaît cet endroit. Ah, c'est bien, on peut tourner la tête. Ah, je vous laisse écouter la cinématique, vous savez. Oh, il y a les sous-titres, sous. Oh, il y a les sous-titres, c'est pas grave. Alors, les amis. Nous sommes... voilà, on a plus beaucoup de jours à attendre pour avoir Quantum Break. Parce que Quantum Break, je vous fais tout, je vous dis tout de suite, hein. Il n'y aura pas de vidéo pour le 5. Mais il y aura une vidéo sur Quantum Break le 6 avril. Pourquoi le 6 avril? Bah tout simplement parce que je pense que ça sera le jour où... Parce que je pense pas que le 5, je pourrais y jouer aujourd'hui. Je pense pas. Et si au cas où, il est dispo le mardi, je pense que si je vais arriver à le télécharger facilement, je pense que ça me prendra sûrement toute la matinée, je pense. Toute la matinée... Du coup, ça va être un peu dur pour, pour faire une vidéo dessus, là, tout simplement. Du coup, je ferai le lendemain, ou même le samedi, que ça, je vous annoncerai faire un live aussi, pourquoi pas. Ouais, je verrai. Bon, en tout cas, Quantum Break, je vais attendre avec grand impatience, comme Uncharted sur PS4. Je vais attendre avec impatience pour vous faire sûrement un let's play sur Uncharted. Parce que Uncharted, franchement, c'est... C'est l'un des jeux que... Franchement, c'est une série que j'adore. C'est une saga... Même on peut dire que c'est une saga maintenant. Avant, c'était une trilogie, et maintenant, c'est sûrement une saga. Retournez à votre bureau. Ok, c'est parti. Bon, par contre, les épisodes-là, le premier épisode, ça va pas être très long, parce que je suis levé assez tard. Et du coup, le temps de faire le montage, le rendu, plus la mise en ligne... je m'excuse du fond du cœur, mais je pense que ça sera... On va bientôt s'arrêter, je pense. Ah, petite cinématique, et puis après, on reprend juste un peu. Je vous reprends après. Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow
not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Waylon Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Waylon. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. What a Brewer. Et voilà les amis, c'était l'intro de ce casse Waterballer. Ouais, je sais pas si je dis bien, mais je parle pas trop l'anglais, du coup, l'anglais, voilà, c'est un peu vague. Bon les amis, on va juste continuer juste un petit peu, et puis après je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter pour 8 minutes 18 ou un truc comme ça, je pense. Ça, on est déjà à 7 minutes. Ça passe vite. Bon, après, c'est juste le premier épisode. Hein. Je pense pas que. Je sais plus trop combien j'avais fait de minutes pour le premier épisode de Let's Play sur Outlast, l'histoire principale plutôt. Je pense que j'avais fait pour 8 minutes aussi, ou moins 10 minutes, je pense. Par contre, les amis, là, ça va être un problème parce que je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout l'histoire. Oula, on voit plus rien. Oula, c'est quoi ces visions à lui? Oula là. Vas-y, prends la caméra. Toujours une caméra dans le class. J'espère que dans le 2, il y aura une caméra. Bon, voilà, les amis, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. Puis je vous dis à demain pour la suite. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis si vous avez aimé, mettez un pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à demain pour ou à la prochaine pour un nouveau épisode. Salut tout le monde, bye. Passez une agréable journée. Salut tout le monde. Ciao.